Salut les petits buggés, je suis actuellement en train de partir pour aller récupérer le collector de The Last of Us. Je suis très content. Donc vous le savez, hein, vous avez dû déjà voir les vidéos sur la chaîne, c'est tout simplement parce que j'ai réussi à l'obtenir un petit peu en avance. Mais là je vais chercher le collector du coup pour cette vidéo qui est la vidéo unboxing, hein, carrément. Un petit peu de route à faire parce que le Micromania de près de chez moi il est loin. C'est parti pour une bonne demi-heure de route pour aller jusqu'au Micromania. Donc je l'ai pris à Micromania en fait tout simplement parce que j'avais une manette qui fonctionnait plus, qui était garantie chez eux encore, une manette pro. C'était la Nekon et du coup forcément j'ai eu à peu près 120 € de bon d'achat et je savais pas quoi en faire à Micromania vu qu'en plus j'en ai pas près de chez moi, du coup j'avais pris le collector. Voilà, c'est la petite histoire sympathique du collector de The Last of Us 2 de Bugland. Voilà, bon ben c'est parti, je prends la route et puis on se revoit. Et je suis arrivé, je vais chercher le jour. Oh là là, je suis excité. Bonjour madame. Les petits buggés, j'ai fait un petit crochet Monster. Ah ouais, j'étais obligé. J'ai pris celui-là aussi, là, le vert. Je sais pas du tout ce que ça va donner, le vert. Mais je vais tenter, je vais tenter. Voilà, et me jugez pas, j'en ai besoin pour l'équilibre. Regardez le carton, oui. Ouais, je suis content. Et alors, t'as un problème? Non, c'est pas mauvais. Je dirais pas que c'est bon. Je dirais que c'est pas mauvais. Ça a un goût bizarre quand même. Allez, j'y vais. J'ai mon carton, je suis content. Il est temps de rentrer pour vous proposer le petit unboxing. C'est parti. C'est l'heure de manger? Tu veux manger, mon gros? Est-ce que tu veux manger, mon gros? Oui, c'est l'heure de manger? Ah si, c'est bien. Windu, il attend que je lui donne la première. Sinon, il mange pas. C'est bien, mon bébé. Je ne sais pas manger. Je ne sais pas manger. Bon les buggés, il est temps de s'attaquer au titre de la vidéo. On va commencer par l'ouvrir hein, tranquillement. Moi perso, ça m'a toujours fait marrer les mecs qui font tout doucement pour ouvrir leur colis. Bon, moi j'ai qu'une main, que je m'en fous que la boîte soit rayée. Alors, on enfonce le couteau comme on peut à une main. Hein. Une main c'est pas facile, plus c'est un couteau un peu épais. Merde. Voilà, il faut bien que ça s'enfonce, histoire de bien enlever le papier. Si vous vous êtes fait avoir, on peut plus rien pour vous. Pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je peux comprendre, mais tous les abonnés là qui ont vu la vidéo d'ouverture sur Assassin's Creed d'il y a 2 ans, hein les anciens. Ceci est mon placard à boîte. Bon, par contre, je vois qu'on a un vieux contre-jour. Ouais, c'est le coucher de soleil, donc forcément le contre-jour il est pas ouf. On va partir du coup en mode jardin. Hein, on va se mettre en mode pique-nique pour faire l'unboxing. C'est pas beau ça. Windu, tu fais attention au couteau par contre. J'ai mis le carton en dessous pour pas l'abîmer. Hein. Du coup, alors, on va commencer tout simplement par ouvrir les scotch délicatement. Alors attends, c'est pas l'ouverture facile, putain, c'est l'ouverture avec une main, je vais jamais y arriver. Je vous pose. Donc là, il est à l'envers. Hein. Vous me voyez plus et tout, c'est génial. Voilà, bam. Alors, c'est bien cadré ou pas? Je sais pas, j'ai pas de retour. Regarde ça, comme c'est beau. Du coup, attends, je vais mieux m'en sortir de ce côté-là. Et puis il y a Windu qui aboie en fond et tout. Oh, c'est trop familial comme ouverture, j'adore, j'adore. Allez, ouvre. Je la mets là. Là, niveau coucher de soleil, on est bien. Ça veut dire qu'on va terminer dans le noir, je pense. Hein. Le mot de remerciement, ok. Voilà comment est montée la box. Ça s'ouvre ici et là, tu as une partie... le steelbook du jeu. Attends. Putain, il me faudrait un assistant pour ce genre de truc. Je pense qu'il y a le jeu dedans. Ouais, j'ai bien fait de pas l'acheter deux fois. En fait, on n'a pas du tout la boîte du jeu. On a forcément que la Steelbooks. Ça donne ça. Attends, si je me mets dans l'herbe, c'est quand même plus sympa, non? Regarde, ça donne ça. Ah là là, c'est beau, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Donc ça, c'est le jeu. Ensuite, on a une lithographie, un truc de photo, un artwork. Voilà, je cherchais le nom. The Last of Us 2. On balaye, hein, mais bon voilà, vous avez compris l'idée. Je vais pas vous montrer page par page. Page. Deuxième truc, je pense que c'est... En fait, je me rappelle même plus de ce qu'il y a dedans. Attends, il faut arrêter avec ce bout de carton là, c'est vraiment dégueulasse. Ça s'ouvre pas. Ça s'ouvre pas, ça se glisse. Attends, Windu, je suis en galère de ouf là. Oh, c'est Koh Lanta. Ça va la caméra? Ouais, elle sent bon? J'y arrive pas. Ok, on a ici... ok, ça doit être des photos. Une photo. Ouais, ça doit être une photo genre collector dans un petit cahier de protection avec What more you seen if you nine. Je vais le reposer avec le reste sur mon magnifique petit carton. Et là du coup on a fini le... Attends, j'ouvre. Et là on a une protection. Alors, je sais pas si je vais tout sortir ça. On a le... Ça, c'est des pins. Merci, merci Chad pour l'info. Ah, n'hésitez pas à me poser des questions. J'ai la réponse à tout. Et en plus, c'est flou, non? Voilà. Voilà, des petits pins. The Last of Us Part 2, Naughty Dog, un stop avec le logo des Lucioles et trois autres. Donc ça, c'est certainement les Wolves, les papillons, je sais pas, peut-être les Scars, et le poignard, c'est celui d'Ellie. Tout ceci sont des autocollants. Pareil, je vais pas ouvrir. Donc ça, c'est un petit bracelet. Voilà, le gros du travail se passe ici, dans un accès encore plus compliqué que les autres, non? Au pire, on finit dans le noir. Hein. C'est pour ranger que je vais galérer. Et putain, c'est pas simple. Hein. En même temps, des unboxings comme celui-là, je pense pas que vous en voyez souvent sur YouTube. Je pense que ça fait partie des meilleurs unboxings de YouTube. Les gens font au moins l'effort d'être sur une table, non? Ça s'ouvre, bien sûr, c'est la partie figurine. C'est la partie très importante qui va rejoindre le décor. Putain, et je commence à prendre les moustiques et tout. C'est vraiment une très mauvaise idée. Ah, un petit bout de plastique, collector. C'est marrant, c'est un moule plastique. C'est la première fois que je vois ça dans une figurine. Petit moule plastique comme ça. Oh là, mais elle est déjà... Oh putain, mais elle est plus grosse que ce que j'imaginais. Oh la vache. Oh, elle est lourde. Oh, j'arriverai pas à la sortir. Oh. Oh ouais. Ils l'ont cloué dans le plastique ou comment ça se passe? Attends, je pose. Ah ouais, elle est clouée dans le plastique, hein. C'est bon, franchement, elle est bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Le plan, il vous plaît? J'arrive, regarde. Voilà. Et franchement, je trouve qu'elle envoie. Alors, on va faire un zoom sur le visage, qui était le truc qui avait fait polémique un peu. Ça tombe bien, il y a vraiment plus de soleil. Attends, si je mets comme ça... Voilà, comme ça, c'est mieux. Regarde, c'est un peu flou je crois, putain, mais je peux pas faire le point, tenir la caméra, mais c'est impossible de faire tout ça. Voilà, là on a un angle sympa. Et bah tu vois, elle est pas si vilaine que ça en vrai. Pour la taille, hein, c'est pas la taille Assassin's Creed, hein. C'est pas la taille Assassin's Creed, hein, c'est plus grand, regardez, ça fait... c'est la taille de la figurine Uncharted 4. Je sais pas si vous voyez les fans de collector, mais voilà. Donc franchement, le visage ça pète, la guitare plutôt bonne qualité. Franchement, quand tu vois le, la texture du pantalon, ça le fait. La chemise, peut-être le sang un peu moins, mais encore ça passe. Ça va, ça va. Et le décor est plutôt joli. Franchement, la statuette, elle est plutôt sympathique. Des flèches là, donc là il y a le petit truc à enlever, je l'enlèverai plus tard. Il y a des flèches dans le dos, la petite machette ici. Non, non, au niveau des détails, franchement, elle est jolie. Franchement, elle est jolie. Je m'attendais, au vu des photos que j'avais vues, que vous avez tous vues, je m'attendais à quelque chose de vraiment pire. C'est donc, oui. Mine de rien, ça prend de la place. Hein, mine de rien. Ben, écoute, je vais ranger, puis je vais la mettre dans le studio, hein, vous allez voir. Forcément, truc que j'ai pas pensé, ouvrir le jeu, hein, en fait. Voilà, parce qu'il y a peut-être des trucs aussi à l'intérieur. Contenu numérique, mais je vous donne pas le code, forcément je vais l'utiliser, et les jeux, voilà, il n'y a rien de plus dedans. Nous voilà donc dans le studio, voici l'ancienne, vous allez voir qu'elle est bien plus grande, en fait si je mets à comparer, tu vois ça, tout ça la God of War, à la limite Tomb Raider un peu plus grande, mais Horizon c'est Nathan, regarde si tu la mets à côté, tu vois que le personnage est bien plus gros, tu vois, et ben on est plus sur cette échelle là, là, bah après celle-là c'était pas pareil, hein. C'était une statue, voilà je tape dessus, t'entends rien mais t'as compris. On va décaler un peu Kratos. Putain, faut que je fasse la poussière et ça me saoule. C'est ça, c'est le problème d'avoir une baie vitrée. C'est que tout de suite, c'est tout le temps poussiéreux. On décale... C'est quoi, je vais mettre Lara à la place d'ici. Non, faut mettre Kratos au milieu. Putain, ça crée des déséquilibres, les tailles. Hein. On a tous nos problèmes, ok? Mais je ferai la poussière, c'est bon, je ferai la poussière. Vous énervez pas. Oh, putain, j'ai embarqué l'arc de... Atreus, je fais le buter. Oh. Voilà, et ici, comme ça on la verra bien dans les vidéos. Non, elle est plus grosse, elle est plus grosse. Oh, pff, non, mais en fait, c'est un monstre. Elle est bien plus grosse. Non, il faut absolument que je la rentre dans l'étagère, elle passe pas. Enfin, je veux dire, c'est pas, ça fait pas de logique. Autant les autres, ça passe à peu près, mais elle, ça fait pas logique du tout. Attends, j'enlève ça. Et c'est un monstre. Regarde. Ça passe. Hein, elle est vraiment grande. En fait, si je les avais mis à côté des autres, ça aurait fait très grand. Mais à côté de Nathan, ça passe un peu mieux, même si Nathan est beaucoup plus petit quand même. Pareil, Days Gone, j'ai mis là-haut parce que lui, c'est pareil, il est tout petit comparé aux autres. Il rentre pas là, tu vois, ça fait vraiment décalé par rapport aux autres. Donc il reste là-haut. Mais je vais faire un truc pour Ellie, je vais me démerder pour que ça passe mieux là parce que... bon, en attendant, ça restera comme ça, mais c'est plutôt pas mal. Il y a juste un truc finalement qui me saoule, et je vais pas vous mytho, ça me saoule de ouf. C'est ça là, les steelbooks. Ça, c'est pourri. Enfin, c'est bien, hein. Franchement, ils peuvent... C'est bien, ils les mettent et tout. Moi, je suis content. J'ai ma petite boîte en métal, je suis content. Mais j'ai pas les jeux. J'ai pas la vraie boîte du jeu. Regarde, ici, sur le côté, on les voit jamais. Mais ici, tu vois, il y a mes The Last of Us. J'avais dit que je prenais un The Last of Us à chaque fois que je partais dans un autre pays. Bon, j'y arrive pas à tous les coups parce que ils sont durs à trouver. Mais voilà, tu vois, il y a France, il y a Japon et il y a les Pays-Bas. Voilà, donc il y a les trois. Mais tu vois, c'est des boîtes, quoi. Et eux, dans leur collector, des fois, ils te mettent des trucs comme ça, là, genre Horizon. Voilà, t'as une boîte, Bestman. Je suis désolé, mais tu vois, ça fait tâche, là, dans la collection. C'est une boîte en métal. Regarde, c'est carrément un livre... Tomb Raider, ça n'a aucun sens de faire ça. Assassin's Creed, eux, ils font pas ça. Eux, ils mettent la steelbook, mais ils te l'imposent pas. T'as le jeu et t'as aussi la steelbook, tu vois, t'as les deux. Bon. Voilà les petits buggy, on a terminé cette vidéo. C'est un plan magnifique pour finir. Vous la voyez, elle est là. Vous la verrez dans toutes les vidéos à partir de, du moment où... Bien, vous la verrez, hein. Et ça, c'est bien. Et c'est comme ça qu'on termine sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu si c'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao, ciao.